Bon allez, amis de la poésie, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en Italie et on se prépare à attaquer le Grand Prix. Albon va attaquer en position 12, le Latin 15. On a eu des essais corrects, mais pas si bon que ça. Pas si bon que ça. Et un petit recul. Recule par rapport à. Ben on voit qu'il y a une AlphaTauri devant nous, les deux Alfa Romeo devant nous. Ça par rapport aux dernières courses, c'est un petit peu moins bien que prévu. Par contre, on est devant les deux As et les deux Aston Martin sans problème. Bon, un arrêt, on part même sur les deux voitures, suivi du H. On a bien mis les options agressives au max. Au démarrage sur les deux voitures, on a bien fait les remplacements qui vont bien et on y va. Je ne veux pas leur porter malchance, mais on peut voir quelques nuages alors que nous regardons la grille de départ. Et voici Alexander Albon. Aujourd'hui, c'est un départ du bas de la grille. Il va y avoir un tas de voitures à dépasser pour atteindre le podium. Pour l'écurie, c'est Latifi ensuite. En partant dans les 10 derniers, il va falloir qu'il redouble d'efforts. Le départ ne va pas tarder. Et voici le Grand Prix d'Italie. Les feux s'éteignent, c'est parti! Alors, situation. Donc on va aller chercher à boire en situation. Pas mal de voitures avec du 91%. Ça doit être dû au fait qu'ils sont là en troisième qualif. Vettel en S, il va être plus rapide sur quelques tours. Ricciardo en S. Gasly, Ocon en S. N'a que du S ou du M. Hein. T'as peut-être des mecs qui vont faire S et puis M. J'ai du mal à. Ouais. Possible. ACM, c'est une mauvaise stratégie. Parce que. Dès le tour 9, le H est plus rapide que les deux autres. Parce que le H, il décote pas, quasiment pas, et il est pas non plus à des années-lumière en temps, quoi. Donc très étonnant d'aller sur du S et du M, parce que tu vas avoir 18 tours où tu vas être performant, mais le reste du temps tu vas être moins performant qu'un H. J'ai du mal à. Donc voilà, on meurt avec nos idées au pire. Donc maintenant nous allons aller chez Albon. Et c'est parti. C'est bon, il est à l'intérieur, il va pas se laisser passer. Il se reste en dehors. Ah, qui c'est qui est pas dehors? C'est bon, il le gratte. C'est Norris là, qui menace. Nice work. Just do lift and coast. Ok, copy. You can afford to drop back. Copy. Okay, that's good. That's good. So heads down, focus. Copy. Allez, pousse. We're happy to push. Ok, Albon il s'est battu avec Gasly. Là, il est passé devant Ricardo. Keep pushing. Keep pushing.
Putain, poulet, là, on s'excite pas, on commence pas à s'exciter. On reste en agressif, les gars, là, pour l'instant. Bon, météo, on n'a pas regardé la météo. Prévoir rien de spécial hein. Non. Ok, Albon à 400 derrière gaz. Le lat en 12. Pardon, le lat en 14. Non, est-ce qu'on a raison de faire la course avec lui quoi? Je suis pas sûr. Use DRS. Oui, moi je crois que oui. Est-ce qu'on entre en DRS? Let's reduce lifting coast by one level. Yes. Ricardo un peu agressif sur, sur le lat. Et le lat se laisse pas faire comme d'hab. Ah, il est plus rapide Norris. Les deux McLaren sont plus rapides. Beaucoup d'équipes sont plus rapides, on est dans les 1.28, ils sont dans les 1.27. Bon, nous on a eu un tour ou deux où on a été 1.27, mais. Ouais, nous on est plus rapide que les mauvais. Mais décroché par les bons, quoi. Ouais, Gasly et les deux McLaren sont plus rapides. Donc, va falloir faire la stratégie habituelle. Hein. On va mettre le lat en. Alors attends, il y en a quoi comme pneu? Bon, Ricardo, il va sortir assez vite. Le lat va se glisser et va me le bloquer, quoi. On neutralisera au moins une des deux McLaren. Et Norris, idéalement, il faudrait sortir après lui aussi. Thank you.
Ocon est à S, il a 66, donc il va forcément sortir et on va lui passer devant. Allez, on va lui passer devant. Ok. Think you can reduce lifting coast. Ouais, tu passes dans la zone DRS. Ah, c'est bon ça. Oui, Albon, il a plus de pneus là. Gasly, il va avoir le même problème. On arrête de pousser comme un bourrin. Hop. C'est bon ça. Ok, il faut que le lat il me passe devant tous ces gens. Il faut que Gasly ça sorte. Il faut que Ocon ça sorte. Il faut que Ricardo ça sorte, tous ces gens en S, il faut que ça sorte et le lat. Le lat va venir se mettre entre. Et il va les faire chier. Il va me les faire chier le lat. Et avec ça, on peut peut-être gratter d'être dans les points. Zhou, il a M. Donc ça risque de pas marcher pour le Zhou, mais... Ça va forcément s'arrêter, tout ça. Leurs pneus tombent. Mon album, t'es le meilleur album. So, lift and coast level 3. Revoyons ça. Voilà. Et ouais, mais leurs pneus sont devenus plus faibles là. Leurs pneus, là, maintenant, sont moins bons que nous. Sacré bagarre. Et Williams vient de remonter d'une place. Bon, allez. Arrête d'utiliser tes pneus. Parce qu'en fait... Il faut qu'il sorte avant lui. Lui, il faut qu'il roule un moment. Qu'il prenne du temps par rapport au lat. Qu'il va les bloquer. Et ensuite, il sortira. Donc, il va falloir qu'il roule un moment encore avec les pneus M. Non. Normalement, ils sont beaucoup plus rapides que nous. Parce que... On est à leur vitesse en gros, peut-être un poil, on est capable de faire la course avec eux, avec des pneus bien meilleurs. Là ils ont des pneus, on est sur une tour 19. Ouais. T'es quand même 200 centièmes. T'es quand même 200 centièmes de plus. Hein. Là, t'as 5 secondes. Putain, Gas et Ocon, arrêtez-vous, les gars.
5, 8. Alonso Stan. Ocon, il sort le prochain tour. Ocon, il sort le prochain tour. Gasly Ocon. Gasly Ocon. Ricardo Ocon. Allez, le latte. Ignore. Ah, mon pauvre, toi, t'es pas prêt de sortir, c'est moi qui t'ai dit. Ok, Lola, t'es passé. Bon, Lola, maintenant, il va me faire un truc compliqué. Il va réduire sa vitesse. Ok, back off. Ok. Albon en 6. Il va sortir au con. On s'excite pas sur Ocon, il va sortir Ocon. T'as autour. Norris, c'est bon. Hein. Les deux McLaren sont bien. Hein. Elles sont loin, quoi. Ok, au con au stand. We look at reducing the lift and co. Copy. We want lift co, please. Copy. Okay. Norris, il en est où, Norris? Norris, il est sur des pneus meilleurs que Albon. Donc ça va pas marcher sur lui. On n'essaye pas de bloquer Norris. N'essaye pas de bloquer Norris. Le mieux est l'ennemi du bien. La technique du bouchon. Le bouchon noir. Le bouchon noir annoncé, voie 12. Le latte, il tient la Ferrari, il a le pile. Vas-y, mon latte. Tant qu'il y a de l'ERS, c'est bon. Il n'y a plus de RS. RS is currently disabled. RS is currently disabled. Copy.
Bah là, il va passer la Ferrari au moins pas, c'est probablement l'Alpine aussi, parce qu'il va il va se mettre dans sa roue. Ah, le lat, il n'a pas laissé passer l'Alpine. Albon a passé Norris. Ouais, laissez passer la vie. Qu'est-ce qu'il a derrière lui, Zhou? Défense. Allez, on essaye de garder Gasly et le Zhou. Il reste 9 tours. Il reste quoi? 30. Il reste 15 tours. Alors attends, situation. On a 10, 13. Ha. Il va falloir s'arrêter au bout d'un moment, hein, parce que nos temps autour, ils vont tomber. Ça ne s'arrête, ils repassent hein, les mecs. Hein. Ils ont quoi comme pneu? Gasly, il est passé sur du M. Hein. Mais il est déjà à 80%. Il a déjà pété ses pneus. Hein. Gasly, il tourne à 1,26. Ouais, tu vois, il est beaucoup plus rapide que nous. Hein. Moi, je pense que notre stratégie, là, c'est un circuit où elle n'est pas facile à appliquer parce que la course est courte. On n'a pas... C'est pas facile, on n'a plus de RS ici. Sorti de la fenêtre des stands. Albon, il est certes en 4, mais il faut qu'il s'arrête. Il est à 40%. Il reste 20 et quelques tours. Combien il a fait de tours, Albon? Albon a fait 28 tours. Il faut qu'il sorte, Albon. Très mal géré les pneumatiques, en fait. Voilà. On le sort. On le sort. Et on essaye de bloquer le mieux qu'on peut ce qui reste. À mon avis, c'est pas bon, mais. Je crois pas qu'on puisse faire autre chose. Et lui-même, il faut qu'il sorte, il va plus avoir de pneus. Hein. Dans deux tours, il a plus de pneus. Hein. On va ressortir derrière, hein. Savoir foirer aujourd'hui cette... Très bonne tente. Bon à 15. Alfa Romeo vient de gagner une place. Increase, lift and coast. Yes, okay. So heads down, focus. Copy. Stroll est passé devant. Bel arrêt au stand. Okay, back off. Copy. Let's close this gap. Okay.
un peu attaqué, je pense. On est en dur sur 20 tours. Hein. C'est bon. Y aller comme des brutes. Comment c'est niveau pneus devant nous? Ah, ils ont leurs pneus abîmés. Hein. Je pense que ça va le faire. Je pense qu'on peut rattraper. Oui, Ricardo, c'est sûr. On peut peut-être passer Norris. On va passer Norris, je pense. 6 et 5. On a des chances de passer Norris. Et après, les autres, ils vont vraiment souffrir. Hein. Souffrir hein. Parce que Zou, il y a des bons pneus. Hein. Et Ocon, ouais, je pense que ça va être. On peut remonter. On peut remonter, mais. On va probablement pas finir loin des points. On va contrôler les temps autour. On va contrôler sur Gasly. Norris au stand. Faut qu'on lui passe devant là. Oh, on lui passe devant. Ah, Norris est ressorti, il est à 2 secondes. Et Norris sur des S. Sur 7-8 tours, il va être plus rapide. Stroll au stand. Bon, c'est pas mal ça. Bon, t'as autour. Une 26-0-44. Il risque d'être plus rapide. Ouais, on est plus rapide. Le seul qui est à notre limite, à notre qui est plus rapide que nous, c'est Zou là. Je pense que les alphas, elles sont intouchables sur ce Russell au stand. Mais on est beaucoup trop. On lui passe devant, hein. On lui passe devant, Russell. Putain, mais ils font combien d'arrêts les mecs là? Non mais ça c'est les mecs qui ont fait une stratégie S et M ou M et puis S. Il y en a pas mal qui ont fait ça. En fait, la stratégie comme nous, il y a très peu de voitures qui l'ont faite. Hein. Le Stroll, il va sortir un S hein, derrière. Hein. Vettel, voilà, Stroll, il y a un S. Yellowhead. Copy. Ah! C'est pas possible. Oh putain. Combien de tours il reste? Part sur DS. Ouais, dégâts majeurs, tu le charges. Voyons un peu ce qui s'est passé. Oh putain. Voici le passage avec Albon. Aïe aïe aïe. C'est le chaos sur le circuit. Albon a pris une pénalité en plus. Hein. Revoyons ça. Voyons un peu tout ça. Voilà Sergio Perez.
Ah putain, Albon qui a jamais d'accident, Albon. Ah bon sang, quel terrible accrochage. Ouais, c'est dur ça. Bon, le latte, faut que tu sauves l'essentiel, mon latte. Ah, Vettel a pris une pénalité aussi. Voilà le ralenti. Tous les yeux sont rivés sur Kevin Magnussen. Magnussen et Vettel, quoi, ils ont dû s'accrocher, quoi, voilà. Putain. Attends, est-ce qu'on est sûr de faire arrêter Albon? Oui. Ouais. Est-ce qu'on est sûr de le mettre en... Ouais, on est sûr. De toute façon, c'est trop tard. Dommage. Bon, c'est pas grave, hein, c'est la course. C'est le jeu. Et c'est bien. Hein. C'est pas automatique, tout. Tout ne marche pas toujours. Bon. Je suis curieux de voir comment ça se finit, quoi. Beaucoup d'accidents aujourd'hui, hein. Safety car. Oh, Norris est sorti. Jetons un œil au ralenti. Daniel Ricciardo est impliqué. N'importe quoi, quoi. Les deux McLaren, quoi. Les deux McLaren se sont rentrés dedans, quoi. Non, mais ça, tu le crois, ça? Les deux voitures de la même équipe. Qui se cartonne, quoi. Non, mais t'es le manager de l'équipe, t'as envie de les tuer, quoi. Overtake is available if needed. Parfait. Allez, mon lat. Okay, that's good. That's good. Beau dépassement de la part de Williams. Il manque rien, mais ça va manquer, quoi. Oh, vas-y, mon lat. Vas-y, mon lat. Oh, vas-y, mon lat. Oh. Putain, tu passes pas, mon lat. Allez, le lat. Vas-y. Force. Tu peux le faire. Sur la ligne, vas-y, mon latte. Ah non, tu passeras pas, le latte. Tu as failli, c'était pas loin. Ah. Course étrange. Incroyable performance de Nicolas Latifi ce week-end. Latifi, quoi. Le lat, quoi. On a tout vu, quoi. Williams peut se satisfaire de ses résultats. C'est du bon travail. Vous avez tout à fait raison. Et quelle journée pour tous les fans de l'écurie.
La course terminée, l'équipe est classée 9e au classement des constructeurs. Rendez-vous sur le circuit de Marina Bay pour une course à couper le souffle dans les rues de Singapour. Marina Bay, quoi. Tu vois, il a perdu 4 places à ce camp d'Albon. C'est pas possible, ça. Il s'est fait baiser. La pénalité, il y a eu un problème, quand même. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Il a fini devant Vettel. C'est principal, quoi. Ça, ils ont des points, mes pilotes. Hein, qui sont protégés contre deux autres, là. Donc, tout va bien, en fait. Statu quo. 821 le lat. Voilà, il a pris 855 lui. 1,71 de potentiel quoi. Et oui.